bonheur que nous ressentons ce soir, nous qui venons d'une région voisine, puisqu'on vous a cité la lyre aluinoise. Merci, c'est gentil. Ce sera beaucoup plus facile. Le bonheur et la fierté de venir en voisin, on vous a dit que nous étions la lyre aluinoise, et effectivement, Aluin, d'où nous venons, c'est une ville du nord qui est juste au-dessus de Lille et de Tourcoing, à la frontière belge d'ailleurs. Parmi nos chanteurs, il y a bien des Français, mais aussi pas mal de Belges. Je voudrais bien sûr remercier nos hôtes, le Père Laurent, et puis les amis de la cathédrale, et particulièrement M. Boré, son président, qui nous a considérablement aidés dans l'organisation de notre déplacement dans votre belle cité. Nous sommes ici dans un endroit très prestigieux, évidemment, et religieux aussi. Alors si nous chantons ordinairement toutes sortes de musiques, toutes sortes de répertoires venant de tous horizons et de toutes époques, eh bien ce soir nous allons nous consacrer à du répertoire religieux. Alors vous y trouverez des pièces très anciennes, par exemple on va commencer avec un Ave Maria qui date du 15e siècle, mais aussi des pièces très récentes. La deuxième de nos pièces a été composée il y a moins de 10 ans par un auteur par conséquent tout à fait contemporain, qui a remporté d'ailleurs avec cette composition un très grand prix. Vous entendrez également des chants de la liturgie orthodoxe russe, vous entendrez des negro spirituals, et puis bien évidemment des morceaux que vous reconnaîtrez très facilement, notamment en fin de concert. On vous souhaite une excellente soirée et je vais laisser la place à notre directeur Michel Jakobiec, qui sera pour certains morceaux remplacé par René Rinquin, notre autre directeur, puisque Michel s'exécutera au solo, et puis notre accompagnatrice Emmanuelle Van Rechem. Bonne soirée à tous. Yes.
Thank you.
Merci beaucoup.